Hello, this is Nick Pino. I'm an investigative health journalist and author of this book, The Non-Tinfoil Guide to EMFs. And I'm also the host of a course called Electrosmog RX for health practitioners who want to learn how to mitigate EMFs in their patients. And today I have the immense privilege to talking with Dr. Mark Arazi, who originated the PhoneGate scandal, how 90% of all cell phones could be recalled over excessive radiation limits. And Dr. Arazi, to give you a background, is a French physician who has become a real crusader for cell phone and EMF safety in the last years. After months of legal action, he found out that the National Frequency Agency, ANFR of France, official tests reveal that 9 out of 10 cell phones go over the already obsolete radiation limits. And what I'm going to do today is very special. I'm going to conduct this interview in French, which is my main language as a French Canadian from Montreal. So if you're an English speaker just listening to the audio, you need to look at the subtitles to try to understand and make sense of this interview. Dr. Arazi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Nicolas, j'apprécie beaucoup et mon anglais n'est pas aussi bon que le vôtre. Ah, mais d'accord, c'est ce que je croyais entendre, vous étiez plus confortable avec le français, alors ça me fait plaisir. C'est la première entrevue que je donne en langue française, tout mon travail est en anglais, donc ça me fait plaisir aussi de pouvoir utiliser cet outil-là de langue française pour pouvoir aider la cause des signaux, des CEM. Alors, aujourd'hui, on parle du PhoneGate. Je voudrais que vous donniez l'histoire, peut-être l'histoire courte, en quelques minutes. Comment cette histoire-là du PhoneGate a-t-elle commencé? Très simplement, ça a commencé le 8 juillet 2016, très précisément, avec la sortie d'un rapport de notre Agence nationale française de sécurité sanitaire et environnementale, l'ANSES, qui sort un rapport sur l'exposition aux radiofréquences sur les enfants et les conséquences sur la santé. Je lis ce rapport c'est dans ce rapport que je découvre que 9 téléphones sur 10, justement testés par la NFR en 2015, sont au-dessus des seuils, que 1 téléphone sur 4 dépasse les 4 watts par kilo, l'équivalent de la mesure maximum pour le DASMAN, et que dans un quart des notices des constructeurs ne figurait pas la distance à laquelle le téléphone avait été testé. Voilà. Wow. Ça commence comme ça, et donc, comme vous l'avez dit, ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse aux questions de santé liées à la téléphonie mobile. J'ai participé en tant que négociateur au Grenelle des ondes, et à ce titre, donc, je connais bien et les responsables de l'ANSES et les responsables de l'Agence nationale des fréquences, la NFR. J'ai donc naturellement pris mon téléphone pour dire, je voudrais comprendre, expliquez-moi, et j'ai pas eu d'explication. Oh. Voilà. Et c'est mauvais signe. J'ai senti que ça n'allait pas. Et donc, j'ai demandé des rapports, ce qui me paraissait d'abord naturel. Et vous lisez ça, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il ne les donne pas. Et donc là, je mets en place un certain nombre d'actions juridiques en France pour obtenir, dans un premier temps, les données pour savoir exactement les marques et les modèles qui sont concernés par ces dépassements. Et nous n'avons pas encore fini ces actions juridiques, puisqu'elles sont toujours en cours, mais progressivement, nous avons obtenu des données, dont les dernières ont été publiées en mars 2018, avec la publication de rapports, des rapports de test. Mais ces rapports-là sont des rapports qui ne sont pas signés et qui ne sont pas les rapports originaux. Et donc, on est vraiment encore dans des problématiques de transparence. Oh, OK. Parallèlement, puisque c'est depuis hier, c'est encore une belle journée, parce que l'information que je peux vous véhiculer de France, c'est que il y avait déjà, vous l'aviez peut-être vu, il y a un mois et demi, un premier retrait de téléphone portable, et nous avons obtenu, parce que là, nous menons aussi une action auprès des ministres français, donc le retrait d'un nouveau téléphone
et la mise à jour de trois autres téléphones, dont un Huawei, un Alcatel, un Echo Plus. Voilà. Donc les choses en France, alors en France, mais j'espère bientôt aussi au Canada et aux États-Unis et partout en Europe, j'espère vont bientôt aussi, la question du PhoneGate va, grâce à vous aussi, permettre à tous les utilisateurs d'être mieux protégés. D'accord, et c'était le Happy 30 et c'était 90 000 téléphones portables qui ont été touchés, qui ont été rappelés par la compagnie Orange, qui est un opérateur français très populaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, c'est la surprise totale quand j'ai entendu parler du PhoneGate à travers EH Trust, The Environmental Health Trust. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est des millions de téléphones portables qui techniquement dépassent la limite. Est-ce que techniquement, tous ces téléphones devront être mis à jour ou rappelés par l'industrie? Comment voyez-vous que le scandale va évoluer de cette manière-là? Alors, on le voit concrètement, nous, en France, pour l'instant, parce que là, ça n'a pas encore touché les autres pays. Mais voilà, comme je vous disais hier, il y a deux approches qui sont en train d'apparaître. L'approche retrait, avec la nécessité de retirer le téléphone, et puis une autre approche dont on n'a pas encore beaucoup de recul technique, c'est la mise à jour, c'est-à-dire l'envoi par le constructeur d'un ajout logiciel à l'intérieur du téléphone pour lui demander de baisser le niveau de seuil d'exposition de son portable. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel techniquement, nous n'avons pas beaucoup de recul. Nous allons bien évidemment étudier ça avec les gens et les compétences qui entourent l'association Alert PhoneGate. Voilà, ça, c'est les éléments de travail actuels. Mais concrètement, par rapport à votre question, si on prend la France, nous avons identifié, rien que sur les tests, et tous les téléphones en France n'ont pas été testés, loin s'en faut, 206 téléphones, marque et modèle, 206, qui, en fonction des résultats actuels des tests faits, devraient être soit retirés, soit mis à jour. Donc, vous voyez, et dans ces 206 téléphones, il y a tous les téléphones les plus vendus, donc des dizaines de millions de téléphones, rien que pour la France. Alors, rien que pour la France. Au niveau international, si on dit que l'action va être prise dans les prochaines années avec les mêmes téléphones, on parle de, oh, mon Dieu, c'est presque, je sais pas, 1 milliard de téléphones mobiles. Je sais pas c'est quoi le montant, mais c'est plus gros que avec le mot PhoneGate qui a été, je crois que c'était Pierre Le Hire dans Le Monde qui avait inventé ou proposé le terme. C'est plus gros que le Dieselgate. C'est peut-être le Diriez-vous que c'est le plus grand scandale international au niveau d'une industrie au complet qui ne suit pas les règles? C'est fou, c'est carrément de la folie. Je crois que vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, il faut comprendre que pour qu'on arrive à cette situation totalement du jamais vu, hein, il y a à la base un problème de réglementation qui va toucher quasiment tous les pays. Voilà. C'est-à-dire c'est une faillite du système de réglementation totale qui a permis aux industriels de pouvoir mettre ces téléphones en nous surexposant tous, c'est-à-dire que nous avons tous, depuis quasiment le départ de la mise sur marché des téléphones jusqu'à aujourd'hui, été surexposés, et pas un peu surexposés de 2 à 10 fois les seuils. Bon. Là, il faut bien, j'ai envie de dire, le monde est réparti. Je veux dire, on va faire en deux grands blocs. On va commencer par le vôtre qui a été un peu plus protégé, c'est-à-dire le bloc Amérique, Canada et 17 autres pays, parce que la FCC en 1996, dans les paramètres qu'elle va utiliser, je vais pas rentrer dans la technique, mais des paramètres qui sont plus protecteurs, dont un qui est très important, qui est la quantité de tissu sur lequel on va exposer les ondes.
Et la FCC va choisir un gramme, alors vous allez me dire, et l'Europe et le reste du monde va suivre l'ICNIR et va choisir 10 grammes. Et bien ce simple paramètre fait que nous, Européens, nous sommes exposés entre 2 et 3 fois plus avec ce seul paramètre. Oh. Donc le téléphone qui a été testé, par exemple, avec, si je prends un téléphone testé par l'Agence nationale des fréquences en France, qui fait, mettons, 5, 6 ou 7 watts par kilo, eh bien, vous allez, pour avoir la réalité de l'exposition, encore devoir le multiplier par au minimum 2 à 3 fois la valeur. Donc, ça veut dire que vous avez des téléphones en Europe qui sont au-delà des 20 watts par kilo. Ça, c'est cet élément-là. Et puis, l'autre point important, c'est la question du temps d'exposition. Bon, alors là, j'ai envie de dire, je sais que vous êtes un scientifique, vous regardez les choses dans le détail. Quand on regarde le temps d'exposition, c'est 6 minutes. C'est-à-dire, le test se fait sur 6 minutes. Enfin, je vous vois sourire, vous avez bien raison, et je pense que ça fera sourire tout le monde, parce que tout le monde sait bien qu'on utilise largement le téléphone au-delà de 6 minutes. Bien sûr. Et aux États-Unis, et là encore, bon, la FCC a été un peu plus protectrice, sur le DAS membre, c'est-à-dire quand on a le téléphone à la main ou quand on l'a dans la poche, ils ont choisi de le faire sur 30 minutes. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça a des conséquences sur le niveau d'exposition qui est énorme. Voilà. Donc, en clair, aujourd'hui, le seuil qui est censé protéger les gens, et excusez-moi, le terme en français, ce qui me vient, je ne sais pas s'il y a un terme canadien, il est totalement bidon, c'est-à-dire c'est du vent, c'est quelque chose qui est censé être mis partout. On dit aux gens, regardez le DAS. Mais la réalité, c'est que ce DAS ne correspond à rien sur les critères qui ont été choisis. On voyait bien ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'on va avoir des expositions beaucoup plus hautes. Et en plus, hein, et c'est un élément alors là un peu plus technique aussi, c'est qu'il ne va mesurer que l'effet thermique. Il ne va pas prendre en compte les effets non thermiques. Alors, c'est Si je comprends bien, je ne sais pas si j'ai un peu de confusion par rapport à l'Europe versus l'Amérique. Je vois que dans un texte que vous aviez écrit, vous compariez des téléphones qui ont 7 watts par kilogramme de DAS, qui est le SAR en anglais, dans les tests européens, et dire que c'est l'équivalent de 20 watts par kilogramme de DAS pour l'Amérique du Nord. Est-ce que je comprends ça bien? Donc, dans le fond, non. C'est pas non, ça. En fait, si vous voulez, pour expliquer, parce que il y a 150 pays qui sont concernés par cette petite différence, vous voyez, c'est pas tout à fait rien. C'est-à-dire que quand un téléphone a été testé sur ce qu'on appelle la base ICNIRP, on peut, si vous voulez, si on le compare, s'il avait été testé de la même façon avec les paramètres américains, eh bien, on aurait un chiffre qui serait multiplié par 3. Donc, c'est là où je disais, les États-Unis et le Canada sont un peu mieux protégés par les paramètres de la FCC qui ont été édictés en 1996, mais de manière, j'ai envie de dire, tout à fait insuffisante. C'est-à-dire que si on regarde le temps d'exposition, les 1 gramme, et la FCC jusqu'à aujourd'hui continue à mesurer ces téléphones à 10 mm de la peau. Vous voyez? Donc, là où maintenant, alors avec tout ce qui a été fait à l'échelon français et européen depuis 2 ans, on est maintenant, alors, j'aime pas utiliser cette quantité de 5 mm parce qu'elle n'est pas juridique. Mais aujourd'hui, on est censé être à 5 mm ou moins en France, c'est-à-dire entre 0 et 5 mm. Alors, vous voyez qu'aux États-Unis, aujourd'hui, les téléphones sont encore testés à 10 mm et ces quelques millimètres à chaque fois ont une conséquence extrêmement importante sur le niveau d'exposition de l'utilisateur, puisque je crois qu'il y a eu un très bon reportage au Canada de CBC en mars l'année dernière,
qui expliquait que dans les notices ou dans les téléphones, on expliquait aux gens qu'il fallait qu'ils gardent le téléphone à distance du corps. Bon. Mais c'est perdu dans la notice, c'est perdu dans le téléphone et personne ne le sait. Bon. Donc, je crois qu'il est très important et c'est un travail colossal d'expliquer aux gens que non seulement il faut qu'ils soient attentifs au seuil d'exposition, mais maintenant il faut qu'ils changent leurs habitudes. C'est surtout ça qui est important. Il faut que nous tous changions nos habitudes d'utilisation du téléphone portable. Compte tenu que l'industrie basée sur des règles bidons, c'est-à-dire les règles ne nous protègent pas, donc les utilisateurs doivent se protéger eux-mêmes en attendant que les règles changent. De toute façon, ils vont devoir le faire parce que, en parallèle de ce problème, parce que il y a la question industrielle, on le voit bien avec le problème de faillite de la régulation. Mais on a aussi le second problème, c'est que dans le même temps, la connaissance scientifique sur ces questions liées au lien entre nos ondes de téléphone portable et notre santé, elle a aussi évolué. Hein, ça a commencé, on va dire, ça a commencé en 2011, mais il faut se rappeler qu'en 2011, l'OMS envoie un premier signal fort en classant les ondes de la téléphonie mobile comme possible cancérogène, donc ça en classe 2B. Et maintenant, et on sait parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont sorties, dont, alors on va parler de ça rapidement, mais dont une grande étude américaine qui a été faite par une agence fédérale qui est le National Toxicology Program. Et j'étais moi-même en Caroline du Nord pour aller témoigner devant le NTP, c'était en fin mars de cette année. Et là, 11 experts internationaux ont relevé de manière, je veux dire, évidente le niveau de preuve, puisque après analyse de toutes ces données, ils ont considéré qu'il fallait relever le lien entre les ondes 2G, 3G des téléphones portables et l'apparition d'un certain nombre de cancers ou de pathologies chez le rat et chez la souris. Alors, et ce, bien évidemment, je vais utiliser le terme anglais, ils ont upgradé une bonne partie des niveaux d'évidence. Et ça, c'est fou parce que je me rappelle quand les résultats du NTP sont sortis, les détracteurs par rapport aux ondes qui disent « Ah, il n'y a pas de problème, c'est de la folie. » Bon, mon livre s'appelle « The Non-Tinfoil Guide to EMS » pour cette raison. C'est parce que les gens pensent « Ah, oh, ben c'est chasseur de fantômes, quoi. C'est, le sujet est complètement non crédible. » Mais ces gens-là disaient par rapport au NTP, non, c'est juste une étude, c'est pas important. Et là, le processus de revue par les pairs, le peer review process, upgrade les recommandations en disant non, non, vous avez sous-estimé vos propres recommandations et disent qu'il y a clear evidence of cancer. C'est du jamais vu et c'est une rencontre qui a été la plus longue de l'histoire du NTP et c'est ça que les gens, c'est pas sorti dans les nouvelles en Amérique du Nord, là, cette conclusion-là, donc c'est ça qui est fou, mais un élément du NTP, et j'ai de la misère à répondre aux détracteurs quand ils me disent, Nicolas, le NTP utilisait 6 watts par kilo, par exemple, ils ont vu du cancer, et ça c'est la norme nord-américaine. J'essaie de comprendre, y a-t-il des téléphones qui font partie du scandale PhoneGate qui tomberait dans cette catégorie-là d'exposition à 6 watts par kilo nord-américain. Donc, est-ce qu'on peut dire, ben, les rats dans le NTP ont été exposés en fait à des niveaux qui sont équivalents aux cellulaires qu'on a en ce moment. Est-ce que c'est exact? Alors, c'est encore plus grave que ça, Nicolas. C'est que, et j'avais fait justement le voyage jusqu'aux États-Unis, parce que j'avais écouté John Buescher, un des auteurs de l'étude, dire qu'il ne changerait pas ses habitudes ni pour lui ni pour ses enfants. Oui. Et je suis venu lui dire en face à face, dans le cadre du NTP, lui dire que non seulement je lui exposais les données, c'est les données scientifiques, hein, toutes les données que nous avions amenées de telle façon à ce qu'il ait toutes les preuves, et lui dire maintenant que vous avez toutes les preuves, est-ce que vous allez tenir le même discours? Et ce qui était intéressant, c'est que
quand il est sorti, et il y a eu quand même quelques médias américains qui ont relayé l'information, et c'était filmé, il a modifié sa position en disant, effectivement, vous devez vous protéger, vous devez mettre le téléphone à distance. Donc, il y a eu une évolution, et tel que je l'ai écrit, puisque c'est là on a le témoignage avec le commentaire écrit et oral, j'ai expliqué à tout le monde que non seulement, c'est-à-dire que les humains avaient été exposés à des niveaux bien supérieurs aux rats et aux souris de laboratoire. Et je pense qu'à un moment donné, quand les gens vont comprendre et avoir toutes ces informations, eh bien, ils vont réagir. Et je vous entendais dire cela en tout début. Il faut comprendre, si vous voulez, que si on fait un parallèle, par exemple, avec le réchauffement climatique, vous vous souvenez que les premiers scientifiques, les premiers médecins, les premiers, les premières associations qui ont commencé à lancer l'alerte ont été décrédibilisées. On disait, mais c'est n'importe quoi. Et si vous voulez, aujourd'hui, on se rend compte du temps qui a été perdu, de la gravité de la situation, et on est obligé de faire des conférences internationales pour essayer de voir comment on va sortir de ces situations. Je dirais, c'est pour ça que je fais ce parallèle, c'est que nous avons un rôle, entre guillemets, de pionnier de l'information, puisque nous sommes mieux informés, et notre rôle, eh ben, justement, et je crois que vous jouez votre part là, c'est d'aider justement à ce que des informations fiables, sérieuses, vérifiées, c'est ça l'enjeu. On parle beaucoup en ce moment, on veut mettre une loi sur les fake news en France. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, les gens reçoivent beaucoup d'informations, et à l'intérieur de ces informations, il peut y avoir des choses qui sont très importantes, structurées, vérifiées avec un certain nombre d'éléments, comme vous avez... Je vois, vous avez été regardé tous les détails. Eh bien, c'est ça qui est très important. C'est de dire, voilà, ces informations-là, vous pouvez aller sur le site de l'Agence nationale française, l'Agence nationale gouvernementale, vous pouvez aller sur le site de l'Agence gouvernementale de santé et d'environnement, et aller regarder tous ces éléments sont écrits noir sur blanc, y compris dans l'Agence américaine de santé du NCP. Alors, si quelqu'un veut aller sur le site de l'ANFR, vous regardez les commentaires sous la vidéo YouTube, vous allez voir le lien. Et c'est une database qui est partielle, si je comprends bien, car elle finit, je crois, en 2017 et les derniers tests, vous essayez de les obtenir toujours. Et pour donner un exemple aux gens qui écoutent la vidéo, le iPhone 5, par exemple, 5.3 watts par kilogramme, c'est le SAR français, ou c'est-à-dire ICNURP, et c'est beaucoup plus que le 2 watts par kilogramme, donc ça dépasse de beaucoup. Et l'iPhone 5, je veux dire, je l'avais là un an, je crois, le LG G5 2.59, et comme vous dites, 25% avait un SAR qui est plus grand que 4, donc plus du double de la limite. Et si je comprends bien, j'ai toujours une légère confusion. Si je me dis le iPhone 5 est 5.3 au tronc européen, est-ce que ça veut dire qu'on est presque à 15 watts par kilo au tronc version américaine, et tandis que les rats dans le NTP study étaient exposés à 6? Est-ce que c'est aussi pire que ça? Non, c'est ce que vous l'avez compris, la norme américaine est un peu plus protectrice. Ça veut dire que nous, Européens, et pour tout le reste du monde, nous sommes plus proches de 15. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que des centaines de millions d'utilisateurs français, européens, brésiliens, enfin, tous ceux qui ne sont pas dans la zone nord-amérique, couverts par la zone nord-amérique, dont vous et les États-Unis et le Canada, on est confronté à des niveaux de l'ordre de 15, 16, 20 watts par kilo. Donc ça veut dire que pour la zone américaine, ces tests-là vont devoir être rendus publics, parce qu'il va falloir à un moment donné que ces tests soient faits. Nous, on peut parler des tests que l'on a faits et qui ont valeur pour la France et l'Europe, si vous voulez, parce qu'ils sont faits dans le cadre de la réglementation européenne, ce qui fait déjà 500 millions de personnes. Oui. Hein. Mais
et pour le reste du monde, puisque c'est les mêmes normes. Et pour la norme américaine, et je comprends, hein, et les canadiennes, pour les gens, effectivement, qui doivent s'intéresser à ce sujet, ce que je peux dire, c'est que cette norme étant totalement défaillante, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre agence de sécurité sanitaire et environnementale qui le dit. Hein. Il dit, il faut qu'on, ce qu'elle dit en conclusion de ce rapport de juillet 2016, elle dit, il faut qu'on revoie l'intégralité, la façon dont on mesure le seuil de protection, et en particulier parce que il est pas adapté pour les adultes, mais il est encore moins adapté pour les enfants. Or, on sait que aujourd'hui, des dizaines de millions d'enfants utilisent les téléphones portables tous les jours, des centaines de millions. Et c'est d'autant plus inquiétant, si vous voulez, que le niveau de pénétration des ondes, et ça, le professeur Om Gandhi le dit depuis plus de 30 ans, il a averti sur ces sujets depuis longtemps. Il avait d'ailleurs fait, on a tous en tête les images qu'il avait prises, on voit les niveaux de pénétration en fonction de la puissance. Eh bien, ça, aujourd'hui, tout ça, il faut que un utilisateur par an doit non seulement se dire « pour moi, je fais attention », mais je montre l'exemple aussi et je change la façon dont je vais utiliser le téléphone portable. Et je pense que vous aurez peut-être une question sur les bons comportements. Alors, ça me permettra de parler du département de santé californien. Oui, ben assurément. Donc, si on conclut tout ça, je crois que la chose à retenir, c'est que il y a aucun doute sur le fait qu'utiliser un cellulaire, un téléphone mobile sur son oreille en 2018, après avoir écouté cette entrevue, c'est pas une bonne idée. Donc, quelles sont les recommandations? Parlez un peu, peut-être de l'exemple californien et est-ce qu'il y a des... C'est quoi les recommandations de base que les gens devraient suivre après cette entrevue-là pour pas juste partir sur une mauvaise note et se sentir complètement dépourvu, là? Alors, un point très important, c'est pas que quand on l'a à l'oreille. C'est-à-dire que là où la question du phone gate est importante, c'est que les gens vont découvrir qu'il est tout aussi dangereux de l'avoir à proximité du corps quand vous l'avez dans votre poche de pantalon ou par exemple dans la poche à côté du cœur ou pour les femmes, la chose à ne pas faire dans un soutien-gorge. Toutes ces utilisations, en fait, le premier conseil que je vais donner à tout le monde, c'est de dire, je vais revenir avec cette formule américaine, « Distance with your cell phone is your best friend ». Vous m'aurez entendu parler anglais, au moins, mais cette recommandation-là, elle est essentielle. Donc, on garde le téléphone à distance, on le met dans un sac, on arrête de l'avoir en permanence, y compris la nuit pour les enfants. On le met en mode avion, on l'éteint pour ceux qui le peuvent, pour avoir aussi des nuits complètes, qui ne soient pas coupées par des sonneries ou des appels intempestifs et qui permettent de récupérer, parce que la nuit, l'air de rien, est faite pour récupérer et qu'on puisse ensuite travailler ou étudier de manière concentrée et efficace. Tout ça, c'est des éléments de base de la compréhension avec un élément supplémentaire, parce que c'est des recommandations qui sont sorties en décembre hein, 2017 du département de santé californien. Et ils ont ajouté quelque chose qui va nécessiter vraiment une prise en compte, et je compte sur tout le monde pour l'amplifier, c'est la question des écouteurs, des kits main libres. Bon. Dans la plupart du temps, bon, ce que je conseille, moi, c'est d'utiliser le haut-parleur. À chaque fois qu'on peut, on utilise le haut-parleur de telle façon, on pose son téléphone sur son bureau où on est et on parle aux interlocuteurs. On ne peut pas toujours le faire. Donc là, se pose la question du kit main libre. Et le département de santé californien a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il ne fallait l'utiliser que pour des conversations courtes et surtout pas pour écouter de la musique ou regarder un film ou aller courir avec. Pourquoi? Parce que nous le savons depuis un petit moment, et ça a été donc confirmé par le département de santé californien, les ondes suivent le cordon et se concentrent au sein de l'oreille
avec un niveau d'exposition encore plus important que si vous avez votre téléphone. Donc, le conseil que je donne en ce moment, c'est, parce qu'on a besoin d'avoir un kit, il est possible d'utiliser des kits AirTube dans lesquels il y a de l'air dans le cordon, et ça permet, si vous voulez, que la conduction des ondes ne se concentre pas au sein de l'oreille. Voilà. Donc, quelques conseils extrêmement simples qui font que, comme vous êtes rentré dans votre voiture et que vous avez maintenant pris l'habitude de mettre votre ceinture, eh bien, de la même façon, vous allez maintenant changer les habitudes. Ça va être un peu difficile, un peu long, mais moi, je vois autour de moi, le message commence aussi à se faire, et je vois beaucoup, beaucoup de jeunes en particulier qui commencent à intégrer ces nouvelles pratiques, en particulier l'utilisation du haut-parleur. Super. Docteur Arazi, c'est tout le temps que nous avions. C'est vraiment génial ce que vous faites. Je vous remercie pour la ténacité dont vous avez fait preuve à sortir cette information au grand public. C'est vraiment du travail extrêmement important. Et je vais mentionner votre site internet qui est phonegatealert.org. Donc, sur ce site, vous pouvez voir, il y a des articles en français, il y a des articles en anglais, et je crois que quelque chose de très important, c'est le bouton « Donate » pour aider Dr. Arazi et son équipe à continuer de sortir cette information. C'est complètement sur vos propres heures, pour vos propres moyens, si je comprends bien, que vous prenez le temps de travailler sur ce sujet qui est si critique et qui concerne, mon Dieu, presque chaque être humain sur la planète. C'est énorme. Donc, si vous écoutez ça et vous trouvez, oh mon Dieu, c'est de la bonne information, donnez quelques dollars, ça peut faire toute la différence pour aider Dr. Arazi à continuer sa mission. Et dans mon cas, je veux continuer à en parler. Et si vous le permettez, Dr. Arazi, j'aimerais bien qu'on recommence une deuxième entrevue dans quelques mois s'il y a des développements pour parler de l'évolution de cette affaire. Ce sera avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir de discuter avec vous, Nicolas. Je voudrais associer quand même tous les bénévoles du monde entier qui sont aujourd'hui à mes côtés. C'est pas un travail. J'ai lancé en tant que lanceur d'alerte, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rencontré des bénévoles vraiment de tous les pays. Et je voudrais quand même saluer aussi le travail et le soutien de l'organisation américaine Environmental Health Trust, préside le docteur Debra Davis, et qui a apporté aussi vraiment un soutien décisif au niveau international, qui nous permet aujourd'hui d'être entendus pratiquement dans le monde entier. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, docteur Arazi. Bonne journée et félicitations encore pour votre mission incroyable. Et on continue. Et vous me passerez le lien pour qu'on puisse le relayer nous-mêmes sur nos réseaux sociaux. Assurément, assurément. Ça va être dès la semaine prochaine. Je vous envoie ça. À bientôt, Nicolas. Au revoir. Au revoir.